Mais bravo, Charlie! Bravo, merci! Toi, t'es si parfait! T'es là pour tout le monde, tout le temps! Mais en fait, ça t'emmerde que je sois de retour, c'est ça? Bah, je t'emmerde! Je suis revenue! C'est trop dur! C'est trop dur et tu veux pas en parler encore, hein? Oh, tu fais bien! Comme ça, on pourra faire croire à tout le monde qu'il t'est arrivé des choses horribles! Va te faire foutre! Alors qu'en fait, t'étais ici bien tranquille au soleil, hein? Mais tu finis pas ton verre? Mais casse-toi, toi! Ah, je m'imagine rien du tout, je sais très bien ce qui s'est passé. On a couché ensemble? Non, on n'a pas couché ensemble. On n'aurait pas dû, je sais. Mais tu m'as violée! Ben, j'ai un nouveau boulot en fait depuis quelques semaines. Il y a quelques jours, j'ai complètement craqué, quoi. Complètement. J'arrive pas. J'ai peur maintenant, Moi, ça me fait peur, Je sais pas, j'y arrive pas, C'est complètement con, là. Je me mets à chialer pour rien. Vous êtes forts, hein. À l'atelier, ça va pas du tout, la situation est catastrophique. Les banques vont nous lâcher. Elle a pas viré Pouillot. C'est lui qui est parti. Il a dit c'est moi ou Rémi. Évidemment, vous avez choisi le plus con. J'ai choisi mon gendre. Il a laissé l'entreprise dans un état abominable. Il faut à tout prix qu'il revienne, ne serait-ce que quelques jours. Il n'y a que vous qui pouvez persuader. Les ouvrières, elles ne veulent même pas négocier avec nous, vous imaginez? Alors même si vous n'avez jamais rien fait, jamais rien vu, jamais rien entendu, vous faites partie du gang. Vous êtes coupable. Et quand un monsieur est reconnu coupable de s'être tapé un enfant de cœur, ou n'importe quel autre enfant d'ailleurs, sachant qu'avec vos copains, vous n'êtes pas très regardant, il perd le droit de venir chez moi, faire des commentaires sur moi, sur ma fille, sur mes panneaux ou sur ma vie. Alors je vous suggère de terminer votre tasse de thé et de virer votre cul de mon canapé.